vous retrouve, on est le lundi 21 octobre, il est 9h05. J'ouvre ce nouveau studio vlog maintenant. Alors, programme d'aujourd'hui. Déjà, j'ai un petit café. Et dans le programme d'aujourd'hui, là, je vais répondre à mes mails et aux commentaires sous les vidéos YouTube. Et ensuite, j'ai un mail à envoyer aussi, moi, pour un marché de Noël. Et je vais... terminé au moins les pages et la couverture. Il me reste une page et demie à terminer sur mon album. Oui, j'ai pas eu le temps de le terminer ce week-end finalement. Donc du coup, là, je le termine. Peut-être que la déco sera pas faite, mais au moins la structure, les pages, tout sera fait. Il me restera les finitions avec la petite déco que je finirai d'ici demain ou mercredi. Enfin, je verrai. Programme pour ça. Là, je vais mettre à s'importer sur YouTube la vidéo de mercredi qui sera un tuto carterie de Noël pour les débutantes. Vous allez voir, c'est très simple. Donc là, j'ai fait le montage hier, donc du coup, il ne me reste plus qu'à s'importer sur YouTube. Voilà pour ce matin principalement. On verra si j'arrive à faire autre chose. J'espère que vous allez bien. Donc j'espère que vous allez bien, désolée, effectivement c'est les vacances scolaires donc il y a les enfants. J'espère que vous allez bien, c'est ce que je disais. J'espère que vous n'avez pas un trop mauvais temps et que vous n'êtes pas trop touchés sur les inondations. Nous là ça va mieux, on a du soleil ce matin donc ça fait du bien un petit peu de soleil. Voilà, écoutez, on est parti pour une nouvelle semaine créative. Petit point, il est 11h moins le quart, donc j'ai répondu à mes mails, j'ai envoyé un mail pour un marché de Noël. Là, je suis en train de faire petit album photo, vous avez vu quelques petits rushs. Vous voyez toujours rien, c'est une catastrophe cette luminosité quand je mets en face caméra comme ça. Bref, juste je voulais vous dire ça, c'est un double face de chez Cultura, la marque Realia. Ne le prenez jamais. Jamais, jamais. Heureusement, je m'en suis aperçue avant. J'avais collé ma petite pochette qui est là. Je l'avais collée avec ça. Mais je l'avais collée avant-hier, je crois, ou quelque chose comme ça, parce que j'ai pas repris l'album ce week-end. Donc, il y a 2-3 jours maximum. Ça se décolle. Franchement, il est nul. Enfin, désolée de dire ça pour Cultura. Mais franchement, ne le prenez pas si vous voulez faire des albums, enfin, créations en tout genre. Vous voyez, il est comme ça. Ne le prenez pas. Vraiment, c'est de la gnognotte. Et franchement, il est vraiment pas top. Donc, moi, je vais l'utiliser que pour les prototypes ou les choses comme ça. Mais pas sur les créas. Ne prenez pas celui-là. Je sais que Cultura en vende du rouge. Prenez le rouge. Le rouge, il est. Vous voyez, du rouge comme ça. Ça va. Mais par contre, celui-là, ne le prenez jamais. C'est de la gnognotte. Voilà. Comme ça, je vous dis, si vous tombez dessus, ne le prenez pas. en tout cas, si vous voulez que vos créations tiennent dans le temps, ne le prenez pas. Vraiment, il ne tient pas du tout. Moi, je vous dis, au bout de 3 jours, il s'est défait. Donc, voilà. Bref, là, je continue encore un peu mon album. Et il est 11h moins le quart, donc encore une petite heure. Et voilà, donc j'espère, là je vais avoir fini la phase A, donc je vais faire la phase B. Et puis les pages seront terminées, il ne me restera plus qu'à les mettre dans l'album et faire les finitions de l'album et il sera terminé. Allez, je vous retrouve, il est midi, je stoppe là, j'ai un petit peu d'informatique à faire, enfin administratif à faire avant de partir, enfin avant de manger et de partir. Je vous montre, l'album est terminé au niveau des pages, la construction est faite, les pages sont collées à l'intérieur, j'ai plus que la déco intérieure et la couverture aussi, la déco et la couverture. Mais sinon, les structures, les interactions des pages sont faites. Donc, si... Ah, je vois qu'il y a un truc qui s'est décollé, je vais recoller juste après.
Si j'ai un peu de temps ce soir, je vais essayer de continuer un peu. J'ai 2-3 livrets encore à mettre dedans pour pouvoir en rajouter encore un peu plus d'espace photo. Et sinon, il sera terminé. Donc j'essaierai de le terminer demain. Écoutez, je vous laisse là en face de caméra. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Si je fais quelques petits trucs, je vous remettrai face bureau. Mais sinon, je vous retrouve face caméra dès demain. Je vous reprends, on est le mardi 29 octobre, 29, non 22 octobre, pardon. Il est 14h51, je reprends avec un petit café. J'ai déjà commencé un peu à travailler, hein. Ça fait 20 minutes que je suis dans l'atelier. Mais j'ai préparé un colis et j'ai répondu à mes mails. Donc là, je vais regarder parce qu'il y a la nouvelle collection de mes petits ciseaux qui est sortie là, sur le thème de l'hiver. Et j'ai bien envie de la voir, je la trouve super mignonne, franchement j'aime beaucoup les couleurs, donc je vais regarder. Alors elle est sortie chez Page de Scrap, mais Page de Scrap est ouvert. Vous savez que moi je l'ai à côté de chez moi, il est ouvert qu'en fin de semaine et je ne peux pas y aller en fin de semaine. Et j'ai peur que si j'attends semaine prochaine, il n'y ait plus de stock. Donc du coup, tant pis, je vais la commander sur un site internet pour cette fois. Voilà. Donc écoutez, je vais faire ça tout en buvant mon café et après je vais terminer la déco de mon album. Je vous ai dû mettre des petits rushs hier soir. J'ai presque fini la déco, il ne me reste plus qu'une page et la déco de la couverture. Et il sera terminé. Donc je vais pouvoir après comment ça s'appelle, tourner la vidéo présentation de l'album. Et je me suis mis aussi, alors j'ai un post Instagram à préparer. Et si j'ai des petits tests à faire avec la Cricut pour une commande, une future commande. Donc du coup je vais refaire des petits tests, j'en avais déjà fait. Si vous me suivez depuis un petit moment, j'avais fait des tests de mots en carton bois. Et je voudrais en refaire au niveau des tailles un peu plus grandes. Donc je vais faire ça. Et puis voilà déjà pour la journée. Donc écoutez, on se retrouve un peu plus tard. Je reprends, il est 16h30, ça y est, j'ai terminé mon petit album, il est terminé, je vous en montre pas trop, parce que je sais pas si la vidéo présentation sera déjà en ligne, alors vous voyez ce vlog, donc je vous en montre pas beaucoup, mais il est terminé. Pour rappel, je sais plus si je vous l'avais dit dans ce vlog, si vous voulez savoir, je l'avais fait avec la collection Adventura de chez Mintopia. Donc c'est un album qui est déjà vendu puisque c'est une commande qu'on m'a passée
Voilà, la personne a choisi les dimensions, a choisi le nombre de photos qu'on pouvait mettre dans l'album et a choisi aussi la collection de papier. Donc il est vendu. Donc là, je vais aller faire la facture, comme ça il sera fait. Demain, j'aurai juste à imprimer mes petites étiquettes logo parce que je me suis aperçue que je n'en avais plus. Donc ça, je ferai ça demain parce que là, il faut que j'allume l'imprimante et tout. Donc on verra ça plutôt demain. Donc là, je vais aller faire la facture, le mettre en petit sac comme ça, il sera prêt. Demain matin, j'enverrai un message à la personne pour lui dire qu'il est prêt. Et je vais ranger là maintenant aussi les restes de ma collection. Alors, il me reste 4-5 feuilles de la collection, plus un peu d'ice cut. Et les stickers Puffy, il m'en reste pas mal aussi. Donc je vais pouvoir ranger tout ça et je vais pouvoir faire un tout petit projet des cartes ou des petites choses ou un petit petite boîte ou je sais pas quelque chose, un petit livret de voyage. Je pense que j'aurai assez pour faire ça pour une prochaine fois. On est le jeudi 24 octobre, il est 10h moins le quart. Alors je suis désolée, je vous reprends que maintenant. Mais qui dit vacances scolaires déjà dit enfant. Et en plus, ma petite est tombée, enfin tombe malade. C'est toujours la même chose avec ma petite. C'est les crises d'asthme, c'est les encombrements bronchiques, c'est de la bronchite asthmatiforme. Donc on a l'habitude hein, malheureusement, mais. C'est difficile quand elle est comme ça à gérer. Mais écoutez, c'est vrai, c'est comme ça. Je vous reprends maintenant. Déjà hier, hier j'ai pas fait grand chose, j'ai pas beaucoup travaillé. J'ai fait des tests avec la Cricut puisque hier soir j'ai eu un rendez-vous avec une future mariée pour sa décoration de table. Donc du coup je vais lui faire une partie de sa décoration de table. Donc merci à elle en tout cas. Donc j'avais fait des tests à la Cricut, d'ailleurs j'ai bien galéré parce que ma lame avait du mal, j'avais des tests à faire sur du carton bois, un peu du carton chipboard là. Et ma lame, j'ai eu du mal à la calibrer, je sais pas pourquoi.
Ça fonctionnait très mal. Mais bon, j'ai réussi quand même à la fin. Mais bon, ça m'a pris du temps. Là, pour aujourd'hui, alors j'avais prévu pas mal de choses. Mais finalement, il est déjà 10h moins le quart. Là, ma petite est retournée un peu au lit parce qu'elle a pas bien dormi cette nuit. Donc, je l'ai remise. Elle m'a demandé d'aller un peu au dodo. Donc, je l'ai remise. J'avais programmé un montage vidéo. Ça, je vais peut-être le faire. Tourner une vidéo, je le ferai pas. Je le ferai peut-être demain. Ah oui, c'était un challenge, le challenge de Perrine de So Simply, mais la fin du mois, c'est que la semaine prochaine, donc j'ai encore un peu de temps. Je vais essayer de commencer. J'ai aussi un échange à finaliser pour que je puisse l'envoyer. Donc je vais peut-être faire ça ce matin et monter ma vidéo. Et j'ai pas mal de rush du vlog à transférer, donc j'aimerais bien transférer ça assez rapidement. Donc ouais, je pense que ce matin, je vais faire transférer tous les rushs du téléphone à l'ordinateur, monter la vidéo présentation d'album que vous n'aurez pas encore vue, je pense que je vous la mettrai après. Demain, je reçois une petite commande que j'ai faite, donc ça c'est pareil, je vais vous tourner la vidéo demain, et ça vous l'aurez déjà vu, je pense, avant ce vlog. Et là, il faut que je monte la vidéo présentation de l'album. Et donc, la vidéo sur le challenge de So Simply Scrap, je vais essayer de la tourner demain. Si j'ai le temps, je la commencerai. Enfin, je l'ai déjà commencé, hein, pour tout dire. Mais faut que je termine. Donc, j'essaierai de tout finir de tourner, soit si j'ai le temps, ce matin. Mais ça me paraît... compromis, sinon ça sera demain après-midi, en sachant demain après-midi je ferai toute seule une petite partie de l'après-midi puisque mes filles vont chez mamie, enfin si ma fille ça va, et voilà, et là je vais essayer de finaliser plutôt l'échange, comme ça je vais pouvoir l'envoyer assez rapidement. Donc écoutez, je vous laisse là pour l'instant et je vous retrouve un peu plus tard. Je vous retrouve avec ma tête de fatiguée. Aujourd'hui, ouais, je suis crevée. On est le samedi 26 octobre. Ouais, c'est ça. 26 octobre. Je viens pour clôturer ce vlog. Il est déjà 17h, donc je vais clôturer. Je ne vous ai pas repris depuis je ne sais plus quand. Mercredi, jeudi, je ne sais plus. Voilà, j'avoue un peu fatiguée, ma petite est tombée malade, voilà, il y a eu plein d'autres choses. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup avancé comme je l'aurais voulu, mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie, hein, voilà. Là, je vous ai fait quelques petits rushs, je reviens de chez Jiffy. En fait, j'y allais pour une chose précise, et après j'ai pris d'autres petits trucs. J'y allais principalement pour mes enfants, en plus, hein. C'est pas pour moi, enfin c'est pas pour moi, on va le faire ensemble, mais j'avais vu passer ça sur les réseaux. Alors je sais pas si vous connaissez les lutins farceurs, tout le mois de décembre, moi l'année dernière je leur avais fait, voilà, les lutins farceurs qui font des bêtises toutes les nuits jusqu'à l'arrivée du Père Noël, et j'ai vu passer sur les réseaux qu'il y avait chez Jiffy le kit de la maison du lutin. Farceur, il y avait aussi les lutins farceurs, mais moi j'en ai déjà, on avait les deux. Donc voilà, je leur ai acheté, donc c'est un petit kit, une petite maison qu'elles vont construire. Alors je crois que j'ai les prix, attendez, j'avoue je me souviens plus, mais j'ai pris mon ticket de caisse. Alors les maisons, la maison elle était à 5,29€ si vous voulez savoir. Donc elle est en carton, ouais c'est un carton assez épais. Donc voilà, ça ressemble en fait à ça. Et pour aller avec, je leur ai acheté deux petits kits. J'ai l'impression qu'il y en a d'autres, mais il y en avait peut-être plus. Au moment où j'y suis passée, j'y retournerai peut-être. Donc il y a la salle à manger, donc avec la table et deux chaises, comme ceci. Ça c'était... Bah, je sais pas.
Bon, c'était 3 euros maximum, je crois. Quelque chose comme ça. Bon, bref, voilà. Et j'ai pris le petit kit aussi pour faire la porte magique. Voilà, avec tout ça à l'intérieur. Voilà, donc c'est à construire. Voilà, donc elles vont faire ça toutes les deux. Je retournerai peut-être à Jiffy voir s'il y en a d'autres. Voilà, sinon, après, j'ai pris un gros nœud comme ceci pour mettre dans notre sapin. On en avait un tout rouge à paillettes, mais il était un peu abîmé, donc je me suis dit, celui-là, il a l'air plus costaud en plus. Donc, je l'ai pris, ça, je vais aller le ranger. Le nœud, il était à 2,49 €. Voilà. Franchement, à Jiffy, il y a de très très jolies choses. Il y a deux, trois trucs qui me tentent, enfin qui m'ont fait de l'œil. Donc, j'ai pas pris, mais peut-être plus tard, on va voir. Et ensuite, alors ça, par contre, je suis très contente parce que l'année dernière, j'en avais fait, ça avait bien fonctionné sur les marchés de Noël, mais je les avais trouvés dans un autre magasin beaucoup plus cher. Et là, quand je les ai vus à ce prix-là, j'ai dit, bon, eh ben, je les prends. Des boules pommes comme ceci, et donc moi je les personnalise à la Cricut. Et ça, franchement, je les avais trouvées chez allez, l'année dernière chez Truffaut. Je les avais payé 2 euros, 2,50 € même, peut-être la pomme. Là, c'était 99 centimes. Donc là, j'en ai pris 3, mais j'en reprendrai peut-être un peu plus tard. Mais voilà, là, j'en ai pris 3. Et donc je vais les personnaliser. L'année dernière, je les avais toutes vendues donc, sur les marchés de Noël. Donc du coup, là, je vais voir. Et j'ai pris aussi deux boules, plus pour les enfants. Deux boules de Noël comme ça, avec la tête de Mickey, un peu effet pailleté. Pareil, je vais les personnaliser. Donc ça, c'était un peu plus cher, hein, bien sûr. Je ne sais pas. Attendez. 4 euros, 4,49 €. Ah, je les voyais moins cher que ça. Bon, c'est pas grave. Voilà, j'en ai pris que deux de toute façon. Donc voilà, ça va être pareil. J'essaierai de voir ce que je vais faire avec. Mais je me suis dit, ça peut être sympa. Voilà les petits achats chez Jiffy. J'ai aussi pris un déguisement d'Halloween pour ma petite. Un petit déguisement de sorcière. Donc voilà. Écoutez, je clôture ce vlog maintenant. J'espère quand même qu'il vous aura plu. Je vous ai beaucoup plus pris début de semaine que cette fin de semaine. Mais bon, elle a été un peu plus compliquée. Puis en plus, c'est les vacances scolaires. Donc, c'est jamais facile quand c'est les vacances scolaires. J'ai les enfants. Donc, voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle semaine créative. On se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau vlog. Et en attendant, je vous fais de gros bisous.